bébé. Mon petit bébé. Donnez-moi mon bébé maintenant. Est-ce que vous pouvez me donner mon bébé, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez leur dire qu'ils me donnent mon bébé, s'il vous plaît? Je voudrais mon... Quoi? Comment ça, y a pas de bébé? Comment ça, y a pas de bébé? Mais où est-ce qu'il est, là? Où est-ce qu'il est, mon bébé, hein? Où est-ce qu'il est? Il est où, mon bébé, là? Où est-ce qu'il est, mon bébé? Je veux mon bébé, maintenant! Je veux mon bébé! Moi, je suis déjà venue... J'ai fait deux festivals complets déjà et je suis venue en quatre fois en tout hein, sur des petits morceaux. Mais c'est le premier festival que je fais autoproduite, si je puis dire, avec mon propre spectacle. Voilà, mais sinon, ouais, j'ai déjà fait plusieurs festivals d'Avignon. Quoi? Faut que j'aille m'asseoir. Ok, là bah, pas là. Pourtant, mais il y avait... Oui, il y avait... Là, d'accord. Ou là-bas. Ah, voilà, bah, d'accord. Bon, bah, j'attends mon tour. Le plus dur dans tout ça, c'est d'attendre. Hein. Attends, faut pas stresser, Edwige, j'en ai prête. Attends, on va tout déchirer. Oh, Jess, regarde les stress. Stresse pas, Jess, c'est quoi si t'as le track? T'imagines le jury en slip? Bah, c'est ce que je fais, hein. Ça détend un max. C'est pour ça que j'ai toujours envie de me marrer quand je suis sur scène. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. Bonjour. Stéphanie Panizzi, le site de Acte 3 Scène 4. Alors, j'ai choisi cette scène pour l'intensité des émotions, parce que Chimène, elle est confrontée à un destin cruel. Voilà. Parce qu'elle doit renoncer à son amour. Enfin, pour... Rodri. Bon, mais je... J'y vais. Allez-y. Oh, ok. Oh, merde. Mon père est mort, Elvire est la première épée dont s'est armée Rodrigue à sa trame coupée. Pleurer. Pleurez mes yeux et fondez-vous en eau. La moitié de ma vie a mis l'autre au tombeau et m'oblige à venger après ce coup funeste. Je tourne un petit peu partout en France parce que je joue dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces. Ça va, même, je fais même du spectacle enfant, je fais tout. Beaucoup de comédies aussi et ce seul en scène que je présente cette année au festival. Avec mes copines, on aimerait t'inviter à boire un verre. Oh, sois pas timide! On est actrice! Sous le soleil! Épisode 8, saison 4, la fille qui était dans la foule, hein, merde, il se barre! Dis-moi ton prénom avant, au moins! Ça commence comme un conte de fées. C'est l'histoire de Stéphanie. Stéphanie qui rêve, qui a plein de rêves, qui a plein de rêves et qui, en fait, a très vite a. Un désir d'enfant, mais qui lui arrive au final sur le tard, puisqu'elle avait ses envies de carrière, elle avait ses envies de liberté, ses envies de mojito, de margarita. Et puis tout ça, c'est des questionnements qui lui passaient un peu au-dessus quand elle était jeune, puisqu'elle est actrice, Stéphanie, je ne l'ai pas dit. Voilà, donc elle avait ses petits rêves de théâtre et de cinéma. Et en fait, elle a un désir d'enfant qui la submerge comme ça un petit peu sur le tard. Et dans le spectacle, on va parcourir un petit peu toute cette période d'avant où elle ne voulait pas d'enfant, le moment où ce désir arrive et qu'est-ce qu'elle en fait et comment on arrive au bout de ce désir d'enfant. Faut-il un homme? Faut-il un prince? Et une fois qu'on a le prince, est-ce que l'enfant arrive? Enfin voilà, tous ces questionnements sont traversés. Et sentez les meufs, hein. Ah non, Jess, non. Attends, tu vas pas te barrer, quoi. On est qu'à la deuxième tournée de Margarita, quoi. Tu nous fais pas le coup des gosses, quoi. Je sais pas, pour une fois que c'est Thomas qui les garde. Bah d'habitude, lui, il se prépare, il sort et puis c'est toi qui... Ok. Ça va? J'ai pas d'enfant, je peux pas comprendre. Ça va, c'est bon. Il y a un mec qui te mate, je te dis. Je te dis qu'il y a un mec qui te mate. Non, arrête, c'est pas moi qui mate. Non, c'est pas moi qui mate. Oh putain, c'est moi qui mate. Oh la vache, hey, elle est canon. C'est moi qui mate. Eh ben non, c'est la petite jeune derrière. C'est une histoire que j'ai écrite et que j'interprète, j'ai mise en scène. Mais c'est pas mon histoire, c'est une fiction. Mais dans une fiction, on met toujours énormément de soi. Donc évidemment qu'il y a des choses que j'ai touchées du doigt ou traversées. Et quand j'écris, j'ai énormément d'empathie pour mon personnage. Donc c'est peut-être pour ça que voilà. Puis après, je suis comédienne, donc on est censé être touché par ce qu'on raconte. Donc voilà, mais c'est pas parce que ça fait référence à ma vie ou parce que je pense à des éléments de ma vie. Quand je suis dedans, bah, je suis juste au moment présent et de ce qui arrive à cette fille qui est moi à ce moment-là, quoi. Voilà. Oh, mais voilà quelqu'un! Hola, que tal, Eji? Que bella chiquita, qui passa por là? Bonjour! Mais enfin! Mais qui êtes-vous?
Je suis Rodrigos. Don Rodrigos. Pervers servitos. Don Rodrigos. Oui, tu as de beaux yeux, tu sais. C'est tous les matins à 10h45 au théâtre Notre-Dame qui, hop là, il est juste ici le théâtre Notre-Dame. Il est rue du Collège d'Annecy, ça fait l'angle avec la rue de la République juste après le Palace. Et il y a la relâche les mardis. Et j'en profite pour dire que je joue dans une autre comédie. Une comédie qui s'appelle Célibataire, que j'ai mise en scène en 2020, qui a tourné dans toute la France avec plein de comédiennes que j'ai formées. Et cette année pour le festival, je reprends le spectacle avec ma comédienne originelle et originale que ma préf. Voilà, et on le joue toutes les deux et c'est à 13h30 à la Marelle des Teinturiers, c'est très rigolo. C'est rien, mais si tu veux que ça pousse, il ne suffit pas de semer. Pour que la terre soit douce, il faudra bien la bêcher. Allez, ensemble. Ce spectacle-là, La vie n'est pas un conte de fées, il a 2 ans et demi, donc je l'ai tourné déjà un petit peu dans toute la France. Pas toute l'année, mais il a quand même déjà une cinquantaine de représentations, un petit peu partout. Et voilà, et il faut que ça continue. Aider ? On lui a mis la bonne dose d'engrais. On caille ensuite des petits haricots magiques, qui surgissent. On met le tout, et je bim, dans la marmite, et là, il faut se souvenir de la formule magique. C'est quoi déjà ? Ah oui, c'est ça. Salagadou, la magicadou, la bibibibabibibou. Mélangez tout ça. Et vous aurez quoi ? Bibibibabibibou. Salagadou, la magicadou, la bibibibabibibou. C'est la magie ou je ne m'y connais pas ? Bibibibabibibou. Merci, 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 merci Broadway, merci, merci, merci d'être venus si nombreux.